Et Fontenay, qui restait sur 10 matchs sans victoire, accueillait la lanterne rouge Plabennec. On va voir les images de cette rencontre avec les Fontenaisiens qui attaquent la partie pied au plancher. Dès la deuxième minute, centre de Bélissaoui, reprise de Lourougnon. Et ça fait déjà 1-0 pour Fontenay. 24e minute, coup franc en faveur de Plabennec. Le défenseur fontenaisien Alic commet une faute sur le capitaine de Plabennec, Jean-Michel Abivin. Penalty sifflé par l'arbitre de la rencontre. Penalty que se charge de transformer Coat. Un but partout donc entre les deux équipes. Juste avant la pause, Fontenay se crée une nouvelle occasion avec un ballon de Saïd Haïfa vers Delahaye. La balle termine sa course sur le haut de la barre transversale. Un but partout à la pause. On passe à la 49e minute avec ce long ballon de Fro à destination de Bélissaoui. Le défenseur de Plabennec, Steve Abivin, intervient mais lobe son propre gardien. 2-1 pour Fontenay. 85e minute, Boubaïa entre dans la surface de réparation, balle au pied, il est fauché par Daouda Gérard. Penalty pour Fontenay et carton rouge pour le défenseur plabennécois. Fro a l'occasion de porter le score à 3-1, mais son penalty est repoussé par le gardien. Fontenay se fait donc peur jusqu'au bout avec une action incroyable à la 89e minute. Deux parades de Haber, la défense fontenaisienne qui n'arrive pas à se dégager. Et Lennon n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, mais finalement il tire sur l'extérieur du poteau. Une dernière occasion pour les fontenaisiens en fin de match par Delahaye, mais le score ne bougera plus. 2-1 pour Fontenay. La...